Montalivet, 7h30 du matin. Un footing de 15 km en guise de petit déjeuner pour les 40 stagiaires du centre SNSM de Paris-Île-de-France. Un centre qui existe depuis 1969 et qui a pour vocation première la formation très pointue des surveillants de plage. But avéré de ce stage intensif dans les Landes, l'obtention d'un diplôme qui sanctionne une année d'entraînement avant de se retrouver en situation réelle sur les plages du littoral français cet été. Tout au long de l'année, on les amène petit à petit à acquérir cet état d'esprit qui les conduit à avoir ce don d'eux-mêmes, de mettre en place les compétences qu'ils ont acquises, de savoir donner de leur personne, donner de leur temps, parce que ça prend énormément de temps cette formation, c'est long et malheureusement trop coûteux pour eux à mon avis, pour pouvoir donner de leur temps, donner de leur vie après. C'est quelque chose qui est fantastique à notre époque parce que c'est véritablement, on pourrait dire, une école de la vie. Au jour d'aujourd'hui où il n'y a pratiquement plus de service national, c'est vraiment quelque chose qui est très très civique comme formation et qui leur permet de mettre au service de la communauté leurs compétences. Conditions extrêmes et spartiates pour ces jeunes dont la moyenne d'âge tourne autour de 22 ans et dont 70% d'entre eux sont étudiants. Plongé dans la réalité du terrain, le sauveteur en devenir doit se façonner un corps d'athlète et un mental d'acier pour être prêt à affronter tous les dangers. Ce dernier stage est un passage obligé vers le sauvetage. C'est un stage très important, c'est un stage qui nous permet d'évaluer et de valider les nouveaux sauveteurs pour les affecter en plage. Donc c'est vraiment une mise en situation et une occasion de plonger donc les nouveaux dans le milieu pour pouvoir les valider et les affecter en plage. Ils savent très bien faire du secourisme dans une salle bien propre, bien nette, avec du carrelage par terre, c'est fantastique, c'est très facile. Ils savent très bien naviguer sur un plan d'eau calme. Ils savent très bien faire du footing sur un beau terrain gazonné. Mais là, il s'agit de courir dans le sable mou, qui est nettement moins facile, d'aller nager dans une mer qui n'est pas forcément amicale, comme on peut le voir aujourd'hui, d'aller récupérer la victime et de nager, de revenir en prenant des paquets de mer sur la tête, et à la suite de ça, de faire du secourisme après avoir passé les alertes radio nécessaires. Donc c'est vraiment la mise en commun de tout cet ensemble, de tous ces éléments de base de formation qui font qu'aujourd'hui on aura des sauveteurs à l'arrivée. Si, c'est un petit peu difficile, ça demande une endurance physique assez importante, mais en plus on est sur côte dangereuse, donc ça demande encore plus. Mais en même temps, comme ça, on aura une meilleure préparation, donc on sera plus efficace normalement sur les plages cet été. 5 jours de stage en forme de concours général. Toutes les techniques de sauvetage sont minutieusement apprises et répétées. Les 600 encadrants qui exercent dans les 30 centres de la SNSM en France sont à la fois pointilleux, rigoureux et exigeants, car de la rapidité d'intervention dépend la vie d'autrui. On utilise au jour d'aujourd'hui des moyens nautiques qui sont des pneumatiques ou encore des outils comme le Marine Jet qui nous permettent d'intervenir sur des plages un petit peu plus particulières comme celle qui est derrière moi. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre des rouleaux de bord que l'on appelle communément shore break ou des déferlantes, ça nous permet de pouvoir intervenir en limitant le nombre de personnels qui vont mettre en œuvre l'outil et de pouvoir surtout passer facilement, du moins plus facilement, les déferlantes. Ce week-end-là, ça leur permet d'acquérir les techniques de travailler en équipe, en plage, dans les conditions réelles qu'ils devront rencontrer normalement cet été. Comme ils ont été efficaces et que 2 chocs ont été effectués, la victime a récupéré du pouls, donc là, ils continuent à insuffler à la victime. Donc là, c'est une prise en charge, qu'on rencontre régulièrement sur des noyades. On a 4 voire 5 jours des fois pour assurer, on va dire, tous les items qui sont des items nationaux, des critères de validation qui sont nationaux. Donc effectivement, le temps nous est compté et on fait d'une pierre 2 coups, on ne peut pas déjà se permettre de prendre du temps parce qu'on ne bouclera pas le programme et ça nous permet de les pousser, de voir ce dont ils sont capables. On apprend plein de trucs, on ingurgit plein d'informations, c'est vraiment très, très attirant et je suis de plus en plus confiant pour cet été, si tout se passe bien jusqu'à la fin du stage bien sûr. 5 jours pour sélectionner 300 sauveteurs qui seront par la suite répartis sur l'ensemble du littoral français. Depuis 10 ans, 25% des sauveteurs sont des filles. Preuve s'il en est que le physique ne fait pas tout, c'est le mental qui compte le plus. Et
on les retranche dans leurs limites en permanence, à leur faire faire des choses qu'ils considèrent peut-être pas utiles à l'instant T, mais ils s'apercevront au fil des mois, puis des années, puis en cours de sauvetage, que toutes les conditions dans lesquelles on les a mises, elles sont importantes, et c'est ça qui effectivement va les faire tenir et va les faire résister. Le mental joue beaucoup aussi. Le mental joue beaucoup, parce que c'est très dur physiquement, c'est très dur aussi au niveau du temps. Toutes les activités sont courtes, hein. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour respirer. Quand les conditions de mer sont dangereuses, c'est sûr qu'il faut avoir suffisamment de charisme pour leur dire, gentiment mais fermement, attention, c'est dangereux, il ne faut pas y aller. Vous mettez votre vie en péril et vous risquez de mettre la nôtre en jeu. C'est vraiment une nécessité, on a vraiment besoin d'avoir des gens qui percutent, qui sont capables de réagir effectivement dans toutes les situations, tant physiquement que moralement. Donc la formation est lourde, elle dure un an. On demande des qualités au niveau donc du secourisme, puisqu'on passe, on leur fait passer des examens, au niveau de la navigation et au niveau du poste en général et du sauvetage. Et là vous pouvez voir que au niveau des conditions, c'est pas mal. 1 million d'euros de budget distribué chaque année pour les 30 centres français, et ce pour l'achat de matériel et le suivi pédagogique. La SNSM, c'est 10 000 interventions par an pour plus de 700 vies sauvées. Ils sont tous considérés alors comme des sauveteurs professionnels et leur première mission, c'est la prévention. Un bon sauveteur est un sauveteur qui n'a pas d'intervention à faire.